Les jours sont comptés pour les courses de lévrier dans ce synodrome de Sydney. L'an prochain, la Nouvelle-Galles du Sud sera le premier état d'Australie à interdire ce sport emblématique. Les courses de lévrier ont plus de 100 ans, elles font partie intégrante de notre société. Les entraîneurs de lévrier travaillent dur, comme moi ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Une tradition qui n'a pas résisté aux révélations faites par des groupes de défenseurs des animaux, relayées par la télévision nationale. Ils dénoncent l'utilisation d'animaux vivants pour l'entraînement des chiens. Une enquête a confirmé la pratique et le premier ministre de l'État a finalement annoncé l'interdiction prochaine des courses. Une fois que le lévrier ne rapporte plus rien, qu'il ne remporte plus de courses, qu'il ne leur est plus utile, ils veulent s'en débarrasser. Je pense que ce que le gouvernement d'État a fait est très admirable. Ils ont choisi la décision la plus juste, pas la plus populaire. Selon les autorités, jusqu'à 68 000 chiens jugés trop lents ont été abattus ces 12 dernières années. Un chiffre que la profession rejette. J'ai entraîné des centaines de lévriers qui sont retournés chez leur maître après. Ils vivent chez eux maintenant, dans le jardin ou dans le salon. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont morts ou qu'ils ont été abattus. C'est faux! L'interdiction prendra effet en juillet 2017, mais ne touchera que l'État de Nouvelle-Galles du Sud, et l'Australie reste l'un des 8 pays au monde où les courses professionnelles de lévriers ont lieu. Des enquêtes sont toutefois ouvertes dans le reste du pays.